Salut à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui, je vous présente un Twix IDEA qui s'appelle Undeletable Apps, qui est gratuit sur Cydia, sur la source de je sais plus qui, sur Big Boss, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, sur la source de Big Boss. Donc, on fait installer confirmer et puis on va aller voir ce que ça donne. Donc, comme son nom l'indique, ça vous permet de ne pas pouvoir supprimer les applications. Donc, il n'y a pas de réglage, enfin, il n'y a pas d'option dans les réglages. Et c'est tout bête, hein, vous voyez, je veux supprimer par exemple l'App Store, bon déjà à la base je peux pas, mais si je veux supprimer par exemple VDM, bah là, vous voyez, les petites croix n'apparaissent plus, et ça sur toutes les pages, ah, là ça apparaît, ah bah oui, parce que c'est les applications, d'accord, les dossiers on peut les supprimer par contre, donc si on supprime le dossier, je vais pas le faire parce que c'est un peu pénible à remettre, mais si on supprime le dossier, toutes les applications vont revenir sur le, à la fin ici. Voilà, et puis Instalous, ça doit être parce que c'est pas compatible, je pense, avec, avec ce tweak. Voilà, c'est tout. Bah voilà, vous voyez, on peut pas supprimer à part les dossiers, donc c'est plutôt pratique si vous avez des petits malins qui s'amusent avec votre iPhone ou votre iPod Touch à supprimer des applications. Donc bah c'était tout, il n'y a rien d'autre à dire vu qu'il n'y a pas de réglage, donc ça va très vite. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, et si vous aussi sur les dossiers, ça vous met des petites croix. C'est peut-être parce que j'ai une application qui bloque ou je sais pas. Donc dites-moi ce que ça vous donne chez vous. Donc voilà, c'était tout, merci de m'avoir regardé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, visitez le forum iphonefacile.geekaddict.net, et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci.